Bonjour, c'est Alex, bienvenue sur la chaîne secondaire. On continue les Simpsons. Cette fois-ci, nous incarnons Bart et on doit aller parler à Milhouse pour continuer notre aventure. J'espère que vous allez bien, on est toujours sur la version PC. J'enregistre toujours ces vidéos en avance et... Il me faut le nouveau Monster ou je serai aussi naze que Milhouse? Je suis juste à côté de toi, Bart. C'est super. Vaut mieux que tu t'en ailles, Bart. Le professeur Skinner recherche tous ceux qui ont séché l'école aujourd'hui. Et si t'es pris, t'es expulsé, Bart. Expulsé! Oh, et là en fait, Bart il recherche le jeu que Marge a récupéré. C'est le moment de parler du sponsor de la chaîne, à savoir Instant Gaming, un site si vous voulez acheter des jeux moins chers, le lien est en description. Merci. Évitez le principal Skinner. Ouais, il faut qu'on se dépêche. J'y vais comment en fait? Entrez dans votre véhicule. Mon véhicule. Quoi? Mais non, trop bien! Excellent! Oh, de la balle! Ouais, je me demandais comment on allait se déplacer avec lui. Oh, trop cool! Et là, on découvre un... Oh, j'aurais peut-être dû passer là-haut. On découvre un autre endroit, un autre lieu. Et ce qui est fou, c'est qu'avec Homer, j'ai presque rien découvert. Ah non, la musique me disait vraiment quelque chose. Hélas, non. Ah, il arrive. Hélas, oui. Hélas, non. Hélas, oui. C'est agaçant, cette rapidité d'esprit. Ah, s'il est en train de me stalker, là. Ouais, j'ai plus d'itinéraire, là. Faut juste que je me grouille de me sauver. Ah, c'est bon? Ok, bon, c'était rapide. J'ai peur de le recroiser. Et ouais, en plus, pour la petite anecdote, les Simpsons, les tout premiers épisodes, la première saison, même je crois, l'épisode pilote et la première saison, c'était Bart Simpson, le personnage principal de la série. Et après, ils ont changé, ils ont mis que c'était Homer le personnage principal, mais au tout début, c'était Bart Simpson. Voilà, c'était la petite anecdote. Ah ouais, maintenant, ouais, on va croiser du coup plus les personnages autour de Bart, c'est marrant. Bande de nuls, à moi le dernier jeu. Réduction de 4 doigts. Il y a une folle qui a détruit les autres. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Les jeux vidéo ne tuent pas les gens, ils tuent juste leur cerveau. Mission terminée. Ouais, du coup, c'est ça, c'est l'histoire du jeu vidéo. Pourquoi il y a un bus écrasé là-bas? Alors, allez chercher. Mince, j'ai pas lu. Et là, j'ai plus de sous maintenant, vu que l'argent devait être avec Homer. Et on va incarner beaucoup de persos, du coup. Ah non, mon argent, tout mon argent, c'est le même argent. Je peux faire ça, tu vois. Waouh! Contrairement à Homer Simpson qui cassait tout ce qui tout. Ne touche pas ma caisse, espèce de... Je retire ce que j'ai dit, tout ce que je touche se casse aussi. Allez, on y va maintenant. Donc j'espère que... Ah bah c'était pas bien loin qu'il fallait que j'aille. J'espère que vous allez bien, vous, et que vous êtes toujours chaud pour qu'on continue. C'est les années 90, les feux d'artifice illégaux, c'est ça qui est dans le coup. Mais il vaut mieux que tu te grouilles si tu veux faire partie de ce mouvement. Quoi? Trouver les feux d'artifice dans Springfield avant la fin du temps imparti. Ah ouais, éviter le chef Wiggum, il est trop marrant le chef Wiggum. Mais je vais pas faire le chef Wiggum. Ils savent pas encore, mais ils ont déjà perdu. Ah, c'est marrant voir l'esthétique autre de la ville ici maintenant. Attends, faut que j'aille par où? Je suis un peu paumé dans ma life là. C'est toujours... Oh, le petit Papa Noël, c'est le nom du chien. Enfin, vous devez tous le savoir. Et comment il l'avait récupéré? C'était pas un chien qui faisait justement les courses de chiens. Il l'avait récupéré comme ça, c'était les premières saisons aussi. Donc ouais, j'espère que ça va, Wood. Je suis toujours pas réveillé, c'est toujours la même journée que l'épisode 1, l'épisode 2, que j'enregistre encore une fois en avance pour que vous ayez des vidéos lorsque je ne serai pas là pendant... J'aurais dû couper. Lorsque je ne serai pas là pendant quelques jours... Mais en même temps, ça me fait super plaisir d'y jouer. Ah ouais, il faut que j'aille parler à Otto. Ça va ou quoi, Otto? La forme? Ouais, de tes meilleurs lanceurs de grenouilles chinois, s'il te plaît. Et voilà, 2 kilos de bonbons chinois. Ils vont te sidérer. Trop bien. Tâche terminée. Maintenant, il faut que j'aille faire quoi avec mes super bonbons? Oh, il y a les donuts. Du volant à la barre, Simpson. Et il y avait... Ah, c'est pas par là. Il y avait le jeu aussi, les Simpsons, le jeu. Qui était sorti sur 360 et PS3. Faut que j'aille chez Mo. C'est trop cool de voir la ville, de voir l'assemblage, l'embriquage, de voir le bar de Mo comme ça et tout. Trop bien. Oh, j'adore. C'est de la bombe. Ah oui, lui, je l'adore. Il est trop marrant, ce petit vieux là. Je peux pas lui parler. Ah, je peux pas parler aux gens. Salut, Mo. Mo? Désolé, Bart, je ne peux pas vendre de bière à un mineur, c'est pas bien. Je suis là pour acheter des feux d'artifice. Oh, ouais. C'est bon?
Trouver les feux d'artifice. Ok, ok, ok. J'y vais. Je sais pas si je cours beaucoup dans le jeu aussi. Parce que je crois que je me déplace beaucoup sans courir. Entrer dans votre voiture. Bon, on se casse. Ouais, ils ont été ingénieux de nous faire un véhicule comme ça. Hop. Attendez, je fais le tour. Je me rappelle plus le rapport de ce véhicule, dans quel épisode c'était par contre. Je vais pas vous mentir, j'ai pas toutes les références. Mais ouais, du coup, je risque de passer à côté de certaines références. C'est pas très grave, mais si vous, vous les avez, tant mieux pour vous. Faudra me le dire. Oh, ils se font un petit bisou, ils étaient trop mignons. Attends, faut que j'aille où? C'est là qu'il faut que j'aille. Il y a la carte en haut qui me donne envie de... De récupérer la carte, parler au serpent. Vas-y. Mince, je suis désolé. Bon, tu comptes glisser à l'infini ou... Heureusement qu'on n'est pas timé, mec. Une douzaine de vos meilleurs crackers de toilettes mexicains, mon ami. Tiens, gamin, t'explose pas la main. Ou explose-la pour ce que j'en ai à faire. Il avait cette voix, attendez. Parce qu'après, il y a certains persos, au fur et à mesure, tâche terminée, entrer dans votre véhicule. Il y a certains persos qui avaient des voix qui changeaient en cours de saison aussi, enfin... Je sais plus qui, là, j'ai plus les détails, mais ça arrivait que... Certains doubleurs sont un peu différents. Que ça soit dans les Simpsons, ou dans South Park, ou dans plein d'autres. Dessins animés, ou même séries. Alors, vite, je suis timé, là, je suis à fond. Mais ça a l'air tellement grand. Je suis impressionné, quoi, de la grandeur des lieux. Oh ouais, non mais il y a Itchy et Scratchy, il y a tout. Oh non, il y a une rumeur dans le quartier comme quoi t'as eu accès à la réserve de feux d'artifice de ton vieux. Voilà des boules de gomme, passons au feu. Les feux d'artifice ont crié mes oreilles. Voilà des boules de gomme, passons au feu. Mon papa va te mettre en prison. Salut. Lui, il a changé de voix, je crois, dans... Trouver les feux d'artifice. Je crois qu'il a changé de voix dans les dessins animés, justement. Oh, comment il est violent! On y est. Je pouvais aller plus vite, vraiment. Mince, attends, comment... C'est bon, je l'ai semé, là? Le fait d'avoir fait le saut. Non mais en fait je trouve ça vraiment fou toute la ville là. Ça me rappelle beaucoup un jeu auquel j'ai joué même dernièrement. C'était Lego City Undercover où la ville est... Trop bien. Faut que j'aille... Oh punaise, faut que je fasse de même temps. Où la ville, il y avait plein de trucs, plein de détails partout où t'avais envie de te promener et de découvrir les petits trucs cachés et tout ça. Ça c'était bien. Ça c'était de la bombe. Est-ce que je l'avais refini d'ailleurs je sais plus. Ah, le vendeur de BD. Hey, Jabba le Gros, vous savez où je peux trouver une copie de Bonestorm 2? Pas le temps de discuter avec vous. Il faut que je sois le premier à enregistrer mon dégoût sur Internet à propos du dernier Ed McBain. L'action est nulle et la nudité est sexuellement frustrante. Vite, à la grâce mobile. Oh oui, je suppose, mais on doit vraiment l'appeler comme ça? Arriver avant les... Ouais. Simpson. Bart Simpson. Attendez, faut que j'arrive avant eux, d'accord. Très bien. J'ai pas tout compris la quête, il faut que j'arrive avant que l'autre fasse un truc. On est dans la voiture du vendeur de BD, pourquoi pas. Mais je crois qu'ils sont, ils sont quand même énervés, je trouve, dans le jeu quand... Ouais, voilà, ils sont vachement énervés quand ils pilotent, hein. La caméra qui se remet pas. Quelque chose me dit que certaines missions, on va devoir les recommencer parce qu'ils ont l'air... Ils ont l'air vraiment pas contents quand... lorsqu'ils pilotent. Et lorsque je les touche, c'est plutôt moi qui ai tendance à aller dans... Oh punaise! Non, hit and run, non, pas maintenant, mais non! Oh punaise, il manquait plus que ça. Vous avez perdu la course, conseille explorer la carte pour apprendre la meilleure trajectoire et trouver des raccourcis. Rejoins la mission, je vais le défoncer, moi. Ouais, c'est ça, arriver avant... Les Tetchi, je me rappelle pas qui c'est ça. Au serveur Java, ouais, c'est en rapport avec le fait qu'ils voulaient faire une critique sur Internet. Ouais, en fait, ouais, il y a des raccourcis, mais les raccourcis, je les... comme ils ont dit, il faut mieux que je joue. Ah là, j'aurais pu passer à droite, je pense. Là, je peux couper plein d'endroits. Mais pousse-toi, mais... Il met ça... Il s'est mis une pile poil où j'étais. La course, elle est pas longue en plus.
Allez, croyez en moi. Après là, c'était à gauche, je crois. Je me suis fait avoir tout à l'heure parce que... J'ai encore perdu, hein. Attends, je vais regarder si je peux aller tout droit. Est-ce que je vais aller plus vite que lui? Je crois qu'en allant tout droit... Non, je me mets... Oui. Je crois qu'en allant tout droit, on est bon. Bon, ça risque... J'espère que c'est la bonne. Sinon, je vous ferai une coupure au montage. Mais comme ça, vous me voyez galérer en même temps. Et ça prouve que je n'ai pas arpenté la carte. C'était pas vraiment le meilleur raccourci que j'ai pris, je crois. Mais rentre pas dedans, s'il te plaît. Ça va, il y a personne qui arrive en face de moi. Mais il est violent! Tiens! Karma! Mais il se prend des trucs, il est toujours devant moi, lui, par contre. Là, on est d'accord, je vais là, à gauche. Te retourne pas, s'il te plaît. Là, maintenant, je vais aller tout droit. Et je pense que je vais arriver avant lui. Croisez les doigts chez vous. Non! Accélère! C'est où qu'il faut que j'aille? C'est là? Vous avez perdu la course! Mais oui, mais tais-toi! Je vais y arriver, mon gars! J'aurais pas dû aller de ce côté-là! Dernière fois, après, je fais des coupures si j'arrive pas. Allez, accélère! Parce que ça va devenir frustrant pour vous de voir un mec. Bon, du coup, je vais pas à droite, ça m'a rien raccourci du tout, là. Voilà. Voilà. Vous qui connaissez le jeu, je suppose que ça va vous frustrer de voir un mec qui ne connaît pas. Le karma. Enfin, le mec se prend un karma, quoi, depuis le temps. Tout ce qu'il m'a mis dans la tronche. Voilà, là, je passe par là. Là, je vais aller à gauche, maintenant. Il doit y avoir peut-être un petit raccourci par le cimetière, mais je m'en fous. Enfin, le cimetière, c'est pas un cimetière, mais... Voilà. Ah, mais il était juste là. Votre quête de Bonestorm 2 est plutôt futile. Oh, ouais, le professeur Frink a laissé un message sur mon site. alt.animauxafourrure.fandefiction.net me disant qu'il a acheté tous les jeux vidéo qui restaient. S'il vous plaît, ne gémissez pas dans mon auto de taille moyenne. Ouais, c'était vraiment trop cool. Ne gémissez pas dans mon auto de taille moyenne. Mince, ça a disparu la voiture. Dans mon auto de taille moyenne. Pas mal ça. J'ai envie de récupérer une ou deux cartes. On va se récupérer une ou deux cartes et ensuite... Dans le jeu vidéo, je serai en meilleure forme. Ah, j'adore. Je suis trop content. Pardon. Comment je fais pour récupérer cette carte? Est-ce que c'est nous qui avons détruit ça tout à l'heure? Qu'avons-nous les... Qu'avons... Je sais plus comment on dit. Laissons... laisser la ville dans cet état. On a réussi. Je peux taper en sautant? Ah bah voilà. Mais pourquoi je l'ai jamais fait? Vous auriez pu me le dire en commentaire. Je suis horrible. Putain, je pouvais taper. Oh, je peux même faire ça. Attends. Si je saute une fois, je peux donner un coup de pied, genre Street Fighter. Et si je saute deux fois, je fais une attaque écrasante. Ok, mais c'est trop de la bombe. C'est trop de la bombe. Vite. Oh, ça marche quand même. Il y a quoi d'autre comme véhicule que je peux acheter après? Ah, ok. Vas-y, on est reparti. On n'a pas le temps. Salut les conducteurs, on a un petit problème ici. Faut qu'on continue. On n'a pas le temps. Il faut qu'on fasse la quête principale pour finir ce jeu un jour ou l'autre. Vas-y, c'est parti pour la vitesse lumière, monsieur Bart. J'ai peur juste pour les prochaines quêtes, étant donné que je ne connais pas trop les lieux encore. Mais on va les découvrir au fur et à mesure. Ah ouais. Voilà, c'était mon imitation. Oh, la musique s'est arrêtée pile poil, genre avec ma blague, quoi. Et je sais plus ce que j'allais dire. Je veux jouer à Bonestorm 2, donnez-moi un. Impossible, cher ami à la tête pointue. J'ai besoin du pouvoir de la violence des jeux vidéo pour ma nouvelle création de monstres balafrés. Si tu me trouves une radio de la Deuxième Guerre mondiale et une antenne satellite, alors ma création vivra et on pourra jouer avec. Démon! C'est vraiment mieux que la violence à la télé. Qui aurait une radio de la Deuxième Guerre mondiale? Des types qui vendent des grenades à Nelson. Je vais voir. Ah, j'aurais dit notre grand-père, moi. C'est celui à qui il manque un bras, la Deuxième Guerre mondiale, pour le professeur. Vas-y. Bart Simpson. Mon nom est Bond. Bart Simpson. Ah, faut que... Ok, qu'est-ce qui se passe encore? Des fois, j'ai pas tout compris, là. Je devais trouver le mec de la guerre mondiale, là, mais pourquoi, lui, je le stalke d'un coup? Attendez, mais faut même pas que je le détruise, faut que je le suive. Attendez. Pourquoi? Je suis tellement pas réveillé encore que... C'est moi ou j'ai pas compris un truc? En plus, pourquoi il passe par là?
Ouais, j'ai juste à le suivre. Hein. Mais c'est trop cool pour l'école. Soit j'ai pas tout suivi. Ça, c'est le truc que Skinner disait. Non, pas Skinner, Smithers disait. Non, si, je sais plus. Que c'était les livreurs de pizza, mais en même temps, ils nous espionnent, mais en même temps. Qui c'est qui a fait des trous de poule comme ça? Ah, faut juste que je le stalk. Ok. Allons-y. Allons-y. Et je me demande ouais, si on va contrôler d'autres persos. Après, je crois qu'on va en contrôler d'autres. Mais est-ce que ça sera à chaque fois dans des environnements différents? Non, mais ils se rendent vraiment eux-mêmes dedans, quoi. C'est ça que j'ai envie de savoir. Est-ce qu'on aura d'autres environnements à chaque fois? Si c'est le cas, ça serait vraiment fou quand même pour l'époque de s'être donné vraiment autant de mal. Parce que en tant que fan, je suis pas le plus grand fan. Moi, j'adore les Simpsons, mais si vous êtes un véritable fan des Simpsons... Ok. Je suis désolé, je comprends pas tout des fois. Là, le serpent, il est indiqué sur la carte. La fourgonnette bleue aussi. Maintenant, je dois parler... Si vous êtes vraiment fan des Simpsons, ça doit être un kiff total parce qu'ils sont pas moqués de vous, quoi. Entendu, Herman a été volé. Hey, tu saurais pas par qui? Parce que si tu le savais, ce serait top. Oh non, où je vais trouver une radio maintenant? Ces marques fraîches de pneus quittant la scène du crime pourraient être un indice, mais qui peut l'affirmer? Ah, je peux pas activer les sous-titres. Trouver le voleur. Ah bah c'est le serpent, c'est pour ça qu'il était indiqué. Mais juste, j'ai parlé pendant qu'il parlait, du coup j'ai pas tout compris. Il y a des trucs que je comprends pas entièrement, mais je le fais quand même. Faut que je retrouve le serpent qui est parti par là-bas. C'est marrant qu'il ait été indiqué avant que je fasse la mission. Donc oui, juste si vous êtes un fan, je trouve que les développeurs ne se sont pas trop moqués de vous. Et ça, c'est cool. On se connaît, gamin? J'ai besoin de la radio que tu as empruntée. Pas question. Je vais avoir plein de succès auprès des nanas avec cette radio. La dernière fois que j'ai vérifié, les filles adoraient les voitures de course, pas les antiquités électroniques. Pourquoi on fait pas la course pour savoir qui aura la radio? Oh, je suis d'accord avec ton offre. Ok, ok. Oh non, on va encore perdre dès que c'est une course, je perds systématiquement. Ouais, parce que à l'époque, enfin, il y a de nombreuses années, le souci c'est que les développeurs, éditeurs faisaient des jeux... en rapport avec l'univers du jeu vidéo, et ça prenait souvent les gens juste pour des consommateurs et leur produisait juste des trucs tout bonnement honteux, quoi. Et là, je trouve ça cool. J'ai juste tapé dedans, il en fumait, et ça m'a ralenti, mais tellement. Et la course, elle est plus facile que l'autre de tout à l'heure, quand même. Peut-être parce que je dois pas suivre les raccourcis. Ah! Et là, s'il y a des raccourcis, j'ai perdu encore parce que je les connais, mais je le vois en plus! Je le vois et je rentre dedans, c'est pas possible! Oh non, c'est le même chemin que tout à l'heure! Non, vous avez pas le droit de faire ça, je vais me faire doubler! Oh, c'est la ligne d'arrivée, j'ai gagné! Easy! Trouver la radio! Où est la radio? Merci, mec! Thanks! Ouais, qui a une? Ah, Krusty Burger! Ma voiture. Il y a tellement de trucs partout. Bon, bah on va aller au Krusty Burger. Trop bien. C'est parti. Je sais même pas si les musiques elles sont copyrightées en fait. Moi je joue tranquille et ça se trouve toutes les vidéos il y aura des soucis de droits d'auteur. C'est fort possible en plus. Hein. Je sais pas du tout. Ça sera la surprise. Il faut que je répare ma caisse aussi à un moment. On va réparer. Et c'est bon. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, alors, il est où le Krusty Burger? Je me rappelle pas être passé devant, mais les musiques, ouais, sont... J'aime beaucoup les musiques. Il est où le Krusty Burger? Ah, comment j'ai fait pour le manquer? Vas-y, je me gare là. Ah, pareil, à Cletus, voilà, j'oublie tout le temps son nom à lui, par contre. Cletus, ça, je zappe instantanément son nom. J'arrive pas à le mémoriser, salut. Monsieur le Pecno-Croisé. C'est moi. Je peux vous emprunter votre antenne parabolique? Bien sûr, si tu m'aides à ramasser ma viande froide, gentil môme de la ville, ces maudits douaniers n'aiment pas que je vende des cadavres d'animaux. Faut que je ramasse de la viande froide. Moi, ça me va. Ok. Allons-y, avec une musique, aux petits oignons. Ça va avec la nourriture, le... C'est quoi? Oh, c'est des putois. Je crois qu'il y a un moyen de mettre une autre vue, mais je sais plus c'est comment, attendez.
Je sais plus, je crois qu'il y avait un moyen de changer de vue. Ou alors c'est, je me trompe. Bon, c'est pas grave. Le principal... Oh non, il y a les trous là. Faut pas que je me retourne. Il m'en reste... Ah oui, il en reste quand même pas mal encore à récupérer. Allez. Comment il a fait pour le perdre sur une voie de chemin de fer, le mec? Oh, comment... Est-ce que je peux ressortir? Vite, vite, vite. On est bon. En fait, je sais même pas qui sont les équipes chargées de ce jeu. Je vais regarder après parce que ça m'intéresse énormément de voir ce qu'ils ont fait, les équipes de développeurs ensuite et même avant. Parce que est-ce que ce sont les mêmes qui ont fait les Simpsons le jeu? Moi, je l'avais fait à l'époque, les Simpsons le jeu, mais j'ai pas tant de souvenirs de ça du jeu. Faut que je me grouille. Je me grouille. Je sais qu'il était cool, mais c'était... un peu différent de celui-ci. Allez mon gars! Oh punaise, je fais du deux roues! Oh punaise, je suis dans un véhicule. Oh punaise. En vrai, ça fait plaisir. Je suis trop content là. Je m'amuse bien. Ça fait en même temps une sorte de petit let's play comme à l'époque, tranquille. Sur un jeu plaisant avec des plumes qui volent dans tous les sens. Par contre, faut que j'arrête de niaiser là. Matez-moi ce pilote. Maintenant, on doit livrer la délicieuse nourriture à l'acheteur. J'espère qu'ils aiment le faisandé. Parce que moi, oui. Allez-y, s'il vous plaît. Personne d'autre que moi ne peut vendre de la viande variée dans cette ville. Ah, pfff. Non. Wouh, jackpot. Est-ce que c'est un chemin par là? Il est vraiment en train de me stalker par contre. Faut que j'arrive à m'échapper de lui. On passe par là. Là, je vais peut-être le semer par ici. Ensuite, on va prendre... Ah, bon bah c'est rapide des fois. Pardon, t'avais qu'à pas être sur la route. Ça se trouve, c'était de la viande fraîche. Allez, mon gars. Des fois, ça s'arrête bizarrement. Ça explique les traces de pneus. Prends cette antenne parabolique en récompense. T'auras 14 chaînes, la chaîne DV c'est inclus. J'adore la regarder. Merci, le débile profond. Oh, de rien. Merci, le débile profond. Trouvez la parabole. No problemo. Posternez-vous devant moi. Merci, le débile profond. C'est pas mal comme réplique. Sur ce, nous, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous rapidement pour un autre épisode. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours. Et à plus tard, débile profond.